Bonjour. Alors, j'aimerais vous faire une courte vidéo pour à titre de prévention, pour vous expliquer un peu ce qui m'arrive actuellement. Voilà. Alors, peut-être que vous allez plus voir aussi pétillante qu'avant, avec de la pêche comme avant. Parce que, voilà, malheureusement, il m'arrive quelque chose là. Il y a 15 jours que je l'ai su. Alors, c'est un mot que j'ai horreur de dire, le mot cancer. J'ai un petit cancer, voilà, qui s'est déclenché là. J'ai su il y a 15 jours. Et je voudrais simplement mettre par prévention, voilà, vous dire un peu ce qui m'est arrivé et comment je l'ai découvert. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui me dit autour de moi, écoute Francine, j'ai la même chose. Et c'est un cancer qui est sourd, qui passe inaperçu. Donc, soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Voilà, moi, ça a commencé tout simplement quand je mangeais. Depuis 2-3 mois, j'avais mal. Je mangeais, ça avalait, et ça restait bloqué là. Mais j'arrivais à manger, je prenais de l'eau, ça passait, et je me suis dit, bon, ça passe, il n'y a rien de méchant. Et quand j'ai vu mon gastrologue, qui m'a fait une gastroscopie, j'en ai parlé, il m'a dit, écoute, non, non, Francine, reste pas comme ça, passe une gastroscopie, voir exactement ce qui se passe. Alors, peut-être des reflux gastriques, des brûlures d'estomac, moi, c'est ce que je pensais au départ. Et quand elle m'a fait malheureusement la gastroscopie, elle s'est rendue compte que j'avais une petite tumeur qui s'était mal placée, qui était là. Voilà. Elle n'est pas grosse, mais elle est là. Et un peu de métastase, voilà. Bon, ça, on va essayer de régler la chose avec la chimiothérapie que j'entame la semaine prochaine. Alors, c'est vrai, j'ai besoin de votre soutien parce que ça va être compliqué pour moi. Voilà, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Parce que je sais que malheureusement, ça peut arriver à beaucoup de monde autour de vous. Beaucoup de monde vont dire, ben moi, c'est pareil, j'ai ce problème-là, c'est sourd. Voilà, c'est sourd. Ça passe inaperçu. J'aurais pu passer encore des mois comme ça sans m'en rendre compte. On s'en est rendu compte à temps, tant mieux. Maintenant, je vais me battre. Je vais continuer à faire mes vidéos comme avant. Voilà. Alors, je serai peut-être moins pétillante pour les vidéos. Soyez indulgents. Je pense beaucoup à vous. Je vais essayer de continuer parce que moi, ça va me tenir un petit peu aussi en forme. Voilà. Pour le moral, j'en ai besoin. Je ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Faites attention, soyez attentifs à ce que je viens de vous dire à l'instant. Si ça vous bloque là, en mangeant, allez consulter. C'est très, très important. Mettez pas ça sur le dos du stress, parce que vous mangez vite, parce que vous mangez des gros bouts. Non, 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 non. Le médecin donne du gaviscon pour que ça passe. Non. Allez consulter en urgence. Voilà. Et moi, j'ai toujours des petits rots, il y a des petites remontées. Et c'est un signe de, voilà, qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Voilà. Donc, j'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Posez-moi les questions. Si vous avez le même problème, n'hésitez pas à me poser des questions. Je serai là pour vous répondre au maximum. Voilà. Donc là, je vous fais des gros bisous. Je vais entamer ma chimio dans 15 jours, la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Et puis, ben, continuez à vous abonner, hein, à liker, à partager à vos amis parce que ça peut sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis à très bientôt. Allez, au revoir.